Cyril Hanouna, l'animateur revient avec une émission à la radio dès lundi 17 juin. Vendredi 14 juin 2024, Europe 1 a annoncé que Cyril Hanouna animerait une émission sur son antenne durant 2 semaines en raison de l'actualité politique. Cette émission se nommera Cyril Hanouna refait l'actu. Cyril Hanouna finit la saison télévisuelle de manière très active. Celui qui officie à la tête de son émission Touche pas à mon poste depuis près de 15 ans a su se rendre incontournable dans le paysage télévisuel français. Son style mêlant humour et débat d'actualité rassemble des millions de téléspectateurs chaque soir sur C8. Mais chaque année, le trublion laisse les téléspectateurs le temps de l'été afin de prendre des vacances. Cette année, exceptionnellement, l'animateur a annoncé une nouvelle qui devrait ravir les fans du programme. Il ne reste plus que 6 émissions, avec celle de ce soir. 6 émissions. Vous vous rendez compte? Avant ma fin de la saison, s'est attristé l'animateur avant d'annoncer qu'il donnerait vie à une émission estivale, TPMP même l'été. À sa tête, les fidèles de C8 suivront Pascal de la Tour du Pin qui a été choisi pour animer ce programme. Il y aura après Pascal de la Tour du Pin pour TPMP même l'été, d'accord les chéris? Mais je vous donnerai bien sûr des nouvelles, a-t-il expliqué. Retour aux sources. Mais Cyril Hanouna semble avoir décidé de repousser quelque peu le début de ses vacances. L'animateur a en effet accepté de collaborer avec Europe 1, une antenne qu'il connaît bien. Il a en effet animé les pieds dans le plat de 2013 à 2016 sur Europe 1. Cette fois-ci, Cyril Hanouna se consacrera à sa passion pour l'actualité. Alors que la France est remuée par une actualité politique inhabituelle, le producteur va renouer avec son amour pour la radio dans une émission qui ne durera que 2 semaines, jusqu'au scrutin. Europe 1 lance à partir du lundi 17 juin 2024 l'émission Cyril Hanouna refait l'actu. En raison de l'actualité politique, Europe 1, pour les 2 prochaines semaines une nouvelle émission entre 16h et 18h, a annoncé la radio dans un communiqué de presse, vendredi 14 juin 2024.